Salutations spéciales pour mes amis. Je suis content de vous rencontrer avec vous. Jeudi, qui c'est mercredi 29 novembre, pour nous capables de voir ensemble une portion d'un sujet semaine. Et jeudi, nous allons voir la mission auprès des riches. Mais pas oublier, étude semaine, c'est la mission auprès des puissants. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que vous faites pour nous et vous encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous chaque pour nous capables de présenter sous. Nambi pour nous approfondir connaissance de la parole et pour nous capables d'accomplir la mission qui est au bon. Maintenant, au Père, que portion que nous allons étudier aujourd'hui, les capables aider nous vraiment pour nous capables d'entrer dans l'application de la mission et là, nous va traiter nous comme de fidèles serviteurs. Fais grâce, tandis que nous, dans le nom de Jésus, nous adressons. Amen. Mes amis, moi remercie vous, moi félicite vous, encourage vous pour l'effort que vous-même vous faites jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais à rappeler, l'enfin étudier plaisir, c'est encourager vous. Partagez tout ça avec entourage pour faciliter, encourager plus de monde à étudier le son école du sabbat. Si vous n'avez pas de abonner, vous pouvez faire ça kounya et puis encourager l'autre monde à faire même bien avec vous. Et cette semaine, comme nous tous connaissons, c'est numéro 9, la mission auprès des puissants. Verset à mémoriser, Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ces versets pour nous mémoriser. Pendant ce maintenant, Matthieu chapitre 16, verset 26. Nous avons des possibilités dans la portion mardi pour nous témoigner auprès des érudits Nicodème. Ouais, Nicodème, c'est un homme qui était croyant dans bon Dieu, un personnage qui croyait dans Christ, qui croyait que Christ est l'envoyé de Dieu, puisqu'il était fait partie d'un secte, et en parlant des pharisiens, et qui te dit depuis qu'on reconnaît Jésus comme étant le Messie, ben, mettez-le dehors l'église là. Et bien, mettez-le dans un groupe par là, et bien, ça a une cause un peu de monde, même avec Nicodème, qui était croyé dans Jésus, qui était reconnaître dans Jésus, et reconnaître Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, comme étant le Messie promis. Mais malgré tout, il n'y a pas de capable de faire l'ouvertement. Mais nous, finalement, Nicodème, bien, timidement, après affiché lui pour lui montrer qu'il est serviteur bon Dieu. C'est-à-dire, nous, même monde qui gagne de grandes connaissances dans le monde là, et bien, il est convaincu. Avec toute sagesse, avec toute connaissance, tout savoir que vous gagnez, que Jésus, c'était Messie pour nous. Eh bien, je dis à nous, la mission auprès des riches. La mission auprès des riches. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Nous allons regarder qui leçon nous sommes capables de tirer dans l'histoire ça. Et contrairement au cas de Nicodème, Jésus n'a pas été accepté. Nous allons regarder. Nous avons Nicodème lui-même, je n'ai qu'il ait du grand savoir. Et, mais il était en cachette, il a fait ça en secret, mais nous, par la suite, il a fini par reconnaître Jésus comme étant le Messie pour nous. Mais nous allons considérer, je vous dis, une autre histoire qui est assez intéressante. Et nous allons regarder le comportement, et bien, personnage, ça, ces jeunes hommes riches, nous allons regarder le comportement par rapport avec ça que Jésus lui-même lui a demandé pour le faire. On va aller dans Matthieu chapitre 19, n'appelons dans verset 16 pour nous arriver dans verset 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérobéras point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Eh bien, interaction Jésus avec le jeune homme riche montrait à quel point richesse est capable de faire qui est dangereux. Considérez les paroles sérieuses, dans Matthieu chapitre 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceci, bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens qui sont riches ne sont pas capables de sauver, non? Mais seulement, le texte a fait nous comprendre, les gens qui sont riches doivent faire en pile attention. Parce que si vous ne faites pas attention, la richesse que vous avez est capable venir comme étant un obstacle pour eux, et bien pour saluer. C'est-à-dire,
lorsqu'il y a une richesse là, vous devez faire pile attention. Ou de connaître qui place qui va bailler richesse là. Ok? Ce n'est pas richesse là qui est problème, non, mais c'est ou même c'est qui place qui va bailler. C'est ça qui fait, Jésus dit, eh bien, il y a un pile monde qui est riche, eh bien, la difficile pour les gens de même se sauver parce que richesse là, les vini comme étant un obstacle. Mais texte là pas dit non plus pour les gens pas riches. Et texte là pas dit tout si les gens riches, les papes gagnent la vie éternelle. Loin de là, cette idée. En fin de compte, riches et pauvres, ils sont confrontés avec même sort, qui c'est la mort. Ça veut dire que riches, même avec pauvres, ils sont tous, eh bien, ils ont besoin, ça nous relève, le salut. Et bien que l'argent est capable d'acheter un peu de bagaille, mais l'argent n'est pas qu'à faire, pas mourir. Ça, c'est un bagaille que nous devons comprendre et nous devons connaître. Eh bien, seul monde qui est capable d'empêcher de mourir, eh bien, c'est Jésus qui ben nous, eh bien, la vie gratuitement à travers ça, qui est le même fait pour nous à la croix. Seulement, nous devons accepter le sacrifice et d'une façon pour que nous soyons capables, eh bien, gagner la vie éternelle. C'est ça qu'il fait le déclarer dans Jean chapitre 11, verset 25. Rappelez-nous, lorsque Lazare était mort, Jésus a fait déclaration ça, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Même si vous avez mouru, je dis, ok, mais ou pas mourir pour l'éternité parce que Jésus, lorsqu'il est retourné, eh bien, tout le monde qui t'a accepté, qui persévérait avec lui, qui mourit dans la foi, eh bien, Mounsario, Jésus, lorsqu'il est retourné, eh bien, l'a ressuscité Mounsario pour vivre éternellement ensemble avec lui. C'est-à-dire, je vous dis, eh bien, l'argent pas qu'à faire ou gagner la vie éternelle, l'argent pas qu'à faire ou pas mourir. Il y a un seul être qui est capable d'empêcher ou mourir. Nous sommes être qui est capable de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui mourit pour nous déjà et qui dit quel que soit le monde qui accepte, qui persévère ensemble avec lui, qui était attaché ensemble avec lui, qui développe de bonnes relations ensemble avec lui, et bien, monde ça, même les, je dis à notre partie de la vie à la mort, mais lorsque lui retourne, et bien, là-bas, la vie éternelle. Maintenant, nous allons considérer une autre histoire. Nous allons regarder qui différence qui gagne dans l'histoire ça entre un jeune homme riche là. Avec personnage ça qui aurait les Zachée parce que nous tous nous connaît et qui est-ce qui Zachée et bien nous pour aller histoire Zachée si peut-être ou même on pas connaît des Zachée dans Luc 19 nous pour aller et bien rencontre et bien personnage ça ensemble avec Jésus et bien texte ça nous jeune c'est dans Luc chapitre 19 dans le verset 1er pour nous arriver dans verset 10 nous pour faire une différence ou bien nous pour faire un parallèle un équilibre entre jeune homme riche là avec personnage ça qui est Zachée. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Eh bien, nous, Zachée, te répond avec appel Jésus. Opposé avec jeune homme riche là, qui malheureusement, et lorsque Jésus demande pour le vendre ça qu'il gagne pour le partager l'ensemble avec pauvre et bien qui s'est passé avec nous ça nous un jeune homme là et bien lui t'est viré tout triste parce qu'il n'est pas gagné l'amour pour prochain lui mais nous avec Zachée c'est différent nous avons remarqué que Jésus pas demandé Zachée pour le vendre ça qu'il possédait puis pour le bailler ensemble avec pauvre j'ai demandé avec jeune homme là pour le faire mais Jésus te connaît sûrement dans qui point jeune homme Mouchelin était attaché avec l'argent. C'est raison ça qui fait Jésus demander pour le vendre, ça qui vient pour le débat ensemble avec s'il a qui dans le besoin. En revanche, bien que nous ne connaissons pas tout ça qui était dit
lorsque Jésus lui-même était la caille Zachée, mais ça nous remarquer, c'est que Zachée était convaincu par Jésus et il te connaît qu'il te doit faire quelques changements dans la ville, en particulier dans ce qui concerne les richesses. Lorsque Zachée lui est venu rencontrer ensemble avec Jésus, ouais, Zachée mettait de côté ça, l'égocentrisme. Okay? Les mettait une série de balais de côté. Il dit dans ça qu'il vient parce qu'il est convaincu que Jésus c'est Messia. Eh bien, par contre, nous par contre tout dialogue qui était bien entre Jésus avec Zachée, mais c'est sûr Zachée t'a trouvé le nécessaire pour qu'il est capable de vendre moitié d'un bien pour le partager ensemble avec monde qui n'a besoin. Et il était convaincu comme étant un monde, comme étant un publicain, un monde qui était là, qui était qu'on a fait monde du tort. Il dit, eh bien, s'il te fait tort avec le monde, eh bien, s'il te prend l'argent au monde, là-bas, il y a 4 fois. Ça montrait, quel que soit le monde qui aurait, puissant, riche, violent, méchant, criminel, quelle que soit la façon capable d'abuser le monde, eh bien, dès que vous rencontrez avec Jésus, eh bien, il y a un changement qui a porté. Il y a un changement qui a porté brusquement, mais il y a un changement tout, eh bien, jour après jour, eh bien, qui a eh bien, réalisé. Non, la vie. C'est-à-dire, nous, la différence là, je ne sais pas, c'est Jésus qui m'a demandé pour te vendre ça, pour le avec pauvre, il refusait de faire ça. Mais nous, Zachée, une fois, il a rencontré tout bon ensemble avec Jésus, lui-même personnellement, il a décidé de vendre ça qu'il gagnait pour qu'il soit capable de partager ensemble avec pauvre. Et s'il t'a fait tort avec le monde, il a décidé de se sacrifier maintenant pour le remettre maintenant 4 fois la valeur ça qu'il lui-même n'était pas. La réflexion qui nous vient pour journée, qui s'allie, c'est verset pour mémoriser qui dit: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et qui sa parole ça dit pour? Qui sa parole ça enseigne? Qui sa parole ça yé pour? Et bien, je dis, nous de travail, parce que la Bible dit c'est pour nous travailler 6 jours. Ok? Et nous de travail pour nous construire, pour nous réaliser ça que nous voulons. Mais l'important, mais qui s'est servi dans la vie courante ou réaliser toutes sortes de gains comme projet et puis par la suite ou perdre vie éternelle. Imaginez ou posséder le monde entier et puis ou pral mourir de façon éternelle. Ben nous pas dit préférer pour vous sauver okay, parce que la pauvreté et lui faire souffrir mais richesse ou gain hein, si vous gagnez toute bagaille qui dans le monde là et puis ou pas gagner la vie éternelle. Eh bien, richesse, ça va servir. Eh bien, nous, en dans richesse, il y a des gens qui sont capables de perdre. Mais ça va veut dire que pour gagner richesse, ou sont des gens qui sont condamnés pour perdre. Ce n'est pas ça le texte dit. OK? Le texte a montré, en plus de fois, les nous attachés avec richesse, ils sont capables de venir un obstacle pour saluer nous. OK? C'est ça le texte dit, mais le texte n'a pas dit, ou obligé de vivre dans la pauvreté sur ce petit. Mais, en plus de fois, les nous gagnent richesse, nous virons d'eau. Bye, bon. Et bien, nous, la leçon aujourd'hui a fait un équilibre entre Zachée avec Jérôme Michelin. Jérôme Michelin, pas de l'amour pour les gens qui l'entourage, lui, mais il a vécu la vie éternelle. Mais nous, Zachée, lui-même, avant, qui était qu'on exploitait les gens, qui était qu'on fait tort avec les gens, mais lorsqu'il est venu rencontrer Jésus, il y a un changement qui portait dans la ville, et il décidait de partager et bien, ça qu'il gagne avec les gens qui ont besoin et remettre et bien, les gens qui étaient fait tort. Eh bien, de ça qu'il te prenne à meilleur. Que moi, je suis avec aujourd'hui, que bon Dieu lui réalise des changements brusques dans la vie, nous, afin que côté nous passer, nous sommes capables de témoigner, garder bon Dieu. Et richesse qui nous amène, pas quitter le vigné un obstacle pour saluer nous, mais plutôt, pour être le vigné un moyen pour que l'évangile soit capable de continuer, propager à travers le monde. Et tel est notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation de parole. Aidez-nous jour après jour pour nous capables comprendre. Et puis mettez en application conseil sérieux. Bénis-nous, sauvez-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.